Et bien sûr la compagnie, donc aujourd'hui on est sur Dragon Ball Fighters, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un mode. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va tester aujourd'hui le Végéto SLG tout simplement. Et vous en faites pas que malgré tout le monde qui attend, et ben moi je vais tout de suite aller en entraînement. Pour voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement ce personnage qui mine de rien, bah je vais vous dire honnêtement, c'est une énorme surprise. Donc oui c'est encore un Végéto, je sais que j'avais testé le Gogeta SSJ4, hein. Oui je sais très bien les petits amis. Mais bon, franchement, rien n'empêche que... Il est kiffant, mais regardez-moi ça déjà. Déjà l'icône, déjà le spray du personnage, mais c'est. C'est trop beau. Voilà. C'est magnifique, je trouve. Alors bon, on va se mettre avec n'importe qui, voilà, bref. Allez, on va aller dans le championnat du monde. Alors bientôt, comme d'habitude, on va donc rapidement tester le personnage. Un petit peu ce qu'il donne, hein, tout simplement. Et ensuite, on va faire un combat, donc un combat normal. Et après, bah tout simplement, on va faire ça en nos commentaires. Voilà. Donc vous avez l'habitude, je pense. Mais vous allez voir que ce mode, il se départage par rapport à d'autres. Je vais vous dire honnêtement, magnifique. J'ai été vraiment surpris parce que ce mode, waouh, il m'en a mis plein les yeux. Je vais vous dire honnêtement la chose, les gars. Alors, en attendant que le changement se termine. Bon, déjà tu me diras, oui, ils ont peut-être dû changer la couleur des cheveux et 2-3 détails. Mais bon, voilà, franchement, rapidement, ça fait le taf, hein. Ça fait le café, franchement. Donc on va voir, donc au mieux, hop, déjà ici. Alors, comme je vous dis, hein, je suis pas un gros joueur de fighters, hein, donc bon, en plus ça fait beaucoup de temps que j'ai pu toucher au jeu, en soi. Donc franchement, question combat, je vais pas être vraiment quelqu'un de très très doué, je vais vous dire honnêtement. Hop. Mais vous voyez que au niveau de l'aura, au niveau de l'attaque, vous voyez que c'est jaune. Donc ça respecte vraiment le côté du SSJ. Et vraiment, ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça respecte vraiment l'aura, ça respecte vraiment tout. T'as l'impression que c'est vraiment le SSJ, du coup. Et vous allez voir que durant l'intro des combats, même durant l'attaque ultime, hein, même vous faire voir tout de suite. Alors, je sais pas si vous avez remarqué le détail. Bah, Goku et Vegeta étaient en SSJ. Ils étaient pas en SSJ Blue. Eh oui! C'est franchement un détail, mais qui tue, je trouve. Honnêtement, c'est incroyable. Franchement, c'est ouf. Ils ont vraiment fait attention à tous les détails pour rapport à ce mode. C'est n'importe quoi. Franchement, du gros, je trouve, hein. Vraiment du gros potentiel qui était vraiment bien exploité. Je trouve que franchement, dans tous les détails et tout, c'était vraiment magnifique. Donc, on va encore enchaîner un petit peu. Alors, voilà, oui, c'est un combat rapide, hein, voilà, c'est pas quelque chose de ouf non plus, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il vaut rapidement. Mais bon, franchement, vous avez la gueule du personnage, hein, là, c'est waouh. C'est ouf. C'est vrai que tu vois, j'avais testé bah, ce fameux hein, Gogeta SSJ4, il était bien. Mais voilà, c'était bon. On voit que c'était vraiment que l'apparence qui changeait et tout. Bon, en même temps, tu me diras pour les modes, hein, c'est un peu le but hein, de changer l'apparence et tout. Mais tu vois que là, c'est bien plus qu'une apparence en fait. C'est clairement, même dans l'attaque ultime, hein, le personnage qui a carrément changé la gueule, quoi. Je veux dire, ça a carrément changé la gueule du personnage pendant son attaque ultime. Et je trouve ça, mais juste magnifique, quoi. Franchement, tout a été respecté pour ce personnage, mais un truc de taré. Franchement, je l'adore ce mode. Je l'adore, je le surkiffe. Surtout que j'adore Végéto. Bah là, je suis aux anges en fait. Clairement, je suis aux anges. Pour vous dire. Donc, bah voilà. Donc, on va retourner au lieu, on va faire un combat. Voilà. Alors, je pense que je vais le faire contre Zamasu. Pour le Dramatic Finish au moins et voir la gueule que ça a, tout simplement. Et je pense qu'on sera bah, surpris, je pense. Parce que bah, je pense qu'il va avoir une belle allure, ce Végéto. On va vraiment le voir à plein de potentiel. Alors, bon. Plein potentiel pour son mode et son apparence, hein, voilà. Parce que bon, moi, question combat, je suis pas quelqu'un de très très fort sur Fighters. Faut dire, ça fait 2 mois que j'ai pu toucher au jeu, facilement. Donc, médian, c'est quand même beaucoup, hein, faut dire ce qui est. Hop! Alors, petit lag, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'online. Il y a plein de gens, je vais peut-être les affronter après. Qui c'est, alors hop. Le fameux combat local. Alors, on va faire ça, donc, force de l'IA. On va la mettre à 60. Voilà, ça me paraît pas trop mal. J'avais pas que les temps de chargement étaient bons. Ils sont pas si longs que ça, mais mine de rien, j'ai vu plus court. Hein. J'ai largement vu plus court. Mais bon, c'est un détail. Hein. Et tout. Je vais prendre également. Ouais, Vegeta tout court. Enfin, Vegeta SSJ. Contre évidemment Zamasu, et bon, n'oubliez pas, hein, faut également faire attention de respecter également le décor pour le Dramatic Finish, donc c'est dans la ville ouest détruite.
Et donc sur ce, je vais me taire et je vais donc vous laisser profiter du mode en soi et on se retrouve par la suite du combat. Allez, à tout de suite les petits amis.
Et voilà donc ce qui conclut cette vidéo et tout simplement ce mode. Il est excellent, franchement, il n'y a rien à dire, magnifique en tout point. Bon, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de temps de chargement, de temps d'attente. Peut-être parce que j'étais en ligne, peut-être parce qu'il y avait un lobby en ligne, mais quand même, je fais juste un combat normal. Je fais pas un combat en ligne. Donc, c'est bizarre quand même que j'ai dû attendre autant de temps, parce que normalement, je ne dois pas attendre aussi longtemps. Mais bref, donc c'est sur ce combat que je vais terminer cette vidéo, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger ce mode, hein, très facile à installer en plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Fighter, c'était Team Weapon, et bientôt tout le monde les petits amis, ciao bye bye les gars.